Simplement, avant que tous les amis qui nous rejoignent, ceux qui cherchent encore à se garer, je pense qu'on va prendre d'abord un chant. Hein, on va chanter un chant, le temps également pour que tous les autres arrivent et pour permettre également au service de pont funèbre de descendre le corps. On va prendre un chant simple pour louer le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Omboyo, 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 ya Yesu, omboyo, 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 ya Yesu, omboyo, omboyo, ya Yesu, omboyo, 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 ya Yesu. Comboyo, 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 ya Yesu,
L'église tout à l'heure, eh bien, nous allons faire juste un tour autour du cercueil pour permettre à tout le monde de dire au revoir à notre sœur Marceline, à tous ceux et celles qui n'ont pas été à l'église. Et puisque là où on va inhumer notre sœur, c'est un peu décalé, tout le monde n'aura pas la possibilité d'aller jusque là-bas. Alors, on va juste faire un cercle pour permettre à tout le monde de faire un tour et de faire de dire un dernier revoir, de rendre hommage à notre sœur Marceline. Et sur ce, nous allons prier après pour inhumer notre sœur. Voilà, donc on va procéder ainsi. On va prendre un chant et après ce chant, pendant que nous allons chanter, vous allez faire juste un rond et passer autour et à mesure. Donc voilà, nous allons juste faire un rond pour permettre à tous ceux qui sont ici. S'il vous plaît, je vais vous demander, tous ceux qui sont de ce côté, de se ranger de ce côté pour permettre l'ouverture. Comme ça, si on passe,
on fait le tour et puis on va directement dans ce côté. Les petits enfants, les petits fils peuvent rester juste là et tout le sel, là, le nom passe derrière. Vous pouvez circuler, surtout si vous restez sur place, ça va empêcher la circulation. Si vous pouvez avancer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Si vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît.
De notre sœur se reposer en attendant la dernière trompette qui sonnera. La Bible nous dit, eh bien, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. L'apôtre Paul a dit, quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. C'est eux qui seront les premiers à partir dans un corps de gloire à la rencontre de notre Seigneur Jésus dans les airs. Et nous les vivants, si le Seigneur revient et que nous serons encore dans ce monde des vivants, notre corps se transformera en un corps de gloire et nous les suivrons. Nous les suivrons dans les airs. Ça paraît science-fiction, mais pourtant c'est une réalité. Et nous vous encourageons. Bien-aimés, c'est là notre espérance. Comme le pasteur Clément l'a dit tout à l'heure, Les circonstances actuelles, tous les événements actuels nous préparent et nous tendons vers la fin de toutes choses. Raison pour laquelle j'aimerais simplement clôturer en te disant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le temps est si mauvais en ce moment, chaque jour, prépare-toi à sa rencontre. Prépare-toi. Et pour la famille, que le Dieu de paix, l'apôtre Paul a dit, le Dieu de paix, eh bien, vous donnera la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix, les amis, la famille, tous ceux qui sont autour ne pourront pas vous la donner. Cette paix vient de Jésus. Et c'est notre prière depuis mardi pour vous. C'est notre prière. Que la paix de Dieu garde vos cœurs. Garde votre âme et que la consolation du Saint-Esprit soit votre partage. Je demanderai à mon frère de venir prier pour remettre tous ces instants au Seigneur et après je donnerai la parole à un membre de la famille s'ils ont un mot à dire pour remercier les amis qui sont venus de loin parce que je sais qu'il y a des gens qui sont venus depuis l'Allemagne qui sont venus depuis la Suisse. Il y en a qui ont fait la route depuis Paris pour être là.
certainement la famille a un mot de remerciement pour eux. Voilà. Merci. Consolation à toute la famille. Nous allons prier auprès de celui qui est le juge des vivants et des morts. Nous avons vu des juges juger des hommes vivants, mais dans le livre des Actes des Apôtres, au verset 10, l'apôtre Pierre dit qu'il lui a mandaté pour dire aux hommes que Jésus-Christ est établi juge des vivants et des morts. Et les juges qui peuvent juger les morts, ils s'appellent tout simplement Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'encourage, comme notre bien-aimé vient de le dire si bien, préparons-nous à la rencontre. Et moi, je vais augmenter en disant cela, préparons-nous à la rencontre du juge qui peut juger les morts. Parce que les juges humains peuvent avoir des diplômes, faire des études, ils ne pourront jamais juger des morts. Mais Jésus-Christ qui était sur la terre et qui est monté, c'est lui qui est capable de juger même les morts. Comment passeras-tu ton jugement devant sa face? Aujourd'hui, notre maman nous a quittés. Que le ciel lui soit favorable. Mais c'est tout simplement pour nous enseigner aussi que nous sommes passagers sur la terre des hommes. Elle va passer devant les juges qui sont capables de juger les morts. Et nous croyons en Jésus-Christ qu'elle a la vie éternelle. Et c'est cela aussi que je demanderai à tout un chacun de nous. Que cela ne soit pas une formalité, que nous ayons cet grand engouement lorsque nous perdons une personne. Mais j'aimerais aussi que cet engouement soit aussi pour tout un chacun de nous, de préparer aussi son éternité. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci car tu permets que nous puissions parler sur la terre des vivants. Nous te recommandons ces moments. Nous te recommandons, Père éternel, la famille. Tu es le Dieu des vivants. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je viens te recommander, Seigneur, la famille qui est restée. Je viens te recommander les enfants. Je viens te recommander les frères, les amis. Sois notre consolation. Sois notre force, Père éternel. Sur cette nouvelle vie qui commence, Seigneur, seul toi qui peux nous soutenir. Père, bénis tous ceux qui sont dans ce lieu. Et ma prière en ce moment est que le cœur soit sensible, Seigneur, à ton nom. Et ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à toi puissent donner leur vie à toi, Seigneur. Prépare-nous aussi comme tu as préparé notre maman, comme tu as préparé notre sœur, comme tu as préparé notre grande-mère. Père Saint, à ton rencontre. Bénis ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je demanderai à un membre de la famille, une seule personne, qui aimerait dire un mot à, au nom de... Oui, mon frère, Philippe. Je ne vais pas répéter encore tout ce que les pasteurs ont dit. Vous savez tous que nous sommes que des étrangers et voyageurs sur cette terre. Donc nous devons veiller nos lampes allumées au travers du Saint-Esprit, parce qu'on ne sait jamais l'heure et le moment où sera notre tour. Mais ce que je sais, c'est que Marceline avait accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Elle a sémé, elle a beaucoup sémé de choses en elle. Elle a sémé l'amour. Et au travers de votre présence, je vois simplement que si elle récolte cet amour, nombreux sont venus des quatre coins de France, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et au-delà de la France. Ce qui montre qu'elle a sémé l'amour et nous devons garder cet amour tel que nous sommes là. Et nous vous remercions, la famille ici rassemblée, à mon nom propre et au nom de la famille, nous vous remercions. Nous vous remercions de votre présence, surtout en ces temps de restriction. Mais vous nous avez fait énormément plaisir en vous déplaçant de tous les coins pour venir. Quand je mesure le nombre de gens qui sont là, quand je regarde, si c'était, je me pose la question simplement de savoir, si c'était dans les conditions normales, je pense que le cimetière aurait été rempli. Ça nous touche profondément. Vous nous avez donné aussi une leçon. Elle nous a donné aussi une leçon d'amour. Et nous allons entretenir cet amour. Je vous remercie, je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Maintenant, Marceline part. La seule chose que je vais simplement demander, comme on le fait dans nos traditions et dans nos coutumes, c'est lui qui sait et qui pense qu'elle a une dette, que Marceline a sa dette, doit venir nous voir. Nous sommes de chrétiens, nous arrangerons les choses telles que cela s'est fait dans nos coutumes. N'ayez pas peur,
venez. Je suis l'un des responsables de cette famille et je m'attacherai dans l'amour, tel que je l'ai dit, à pouvoir régulariser la situation. Merci beaucoup. Alors, simplement, je vais vous demander une chose. Si tous ensemble, nous pouvons simplement donner une ovation à des cris, je vais le dire en lingala, à des cris de Milolo. D'accord? Ah, non, mais j'apprends, je parle un peu le lingala. Hein? Ah, même si je suis centrafricain, mais je chante en lingala. D'accord? Ah, eh bien, on va pousser des cris d'ovation, des acclamations, pendant que... Alors simplement, dans ce temps de avec ce chant, nous demanderons au service de reprendre la main. Et puis, oui. Vous laissez passer. Alors oui, moi, on m'a déjà dérangé. Ah, dérangé, parce qu'il y a une soignance. Non, pour vos soignants, pour les gens qui m'ont envoyé, parce qu'ils vont avoir un peu cassé. Donc, il y a des gens qui ont été déclarés. Thank you.
Trésor. Ma petite.
Je voulais dire.